moi, c'est clair pour tout le monde que nous sommes là, nous venons d'atterrir, donc nous sommes en plein aéroport de... Ça va? Bien? Si, 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 si. Donc, on est à l'aéroport de Bangoka, on vient d'arriver à Kisangani. Pour les gens qui connaissent entre ici et là-bas, les gens qui connaissent un peu cet aéroport là, en gros on est à peu près 31-32 degrés, mais en ressenti ça nous fait quelque chose comme 34-35 degrés. J'ai même pas eu le temps de m'échanger, c'est ce qui était prévu, ça allait super speed. On est encore à l'aéroport, d'ici à l'endroit où on va se tenir le meeting, en gros il faut 2 heures du temps pour pouvoir y arriver, donc c'est sûr qu'à un moment donné on va devoir accélérer. Et voilà, donc là c'est vraiment les gens déplacés pour venir jusqu'à l'intérieur de l'aéroport. Les gens, la police n'a pas su bloquer. Ça fait malgré la chaleur. À la place de la poste tout à l'heure. J'espère qu'on va arriver à temps. L'idée, c'est vraiment débuter la France. L'idée, c'est d'arriver à temps. Merci.
qui la Belgique, qui les États-Unis, qui la Rwanda, la Rwanda, la Rwanda, maman Eve qui vient de sortir, c'est un troisième pas. C'est pour vous dire que en fait, dans la délégation, il y a madame Eve Basayouba, il y a le premier ministre, il y a le président de la République. Va voter président, ton conti Mathieu. Azote Gamboka. Sonzo est la calcul, il y a son. Sambon, ni chapeau, ni polo. Quand il était que Congolais, il serait. Quand il y a ma casse, président élu. On a donné au président le pain, il a coupé, il a mangé. Je crois que vous avez vu. On a jeté le pain, on a donné au président le pain, il a coupé le pain, il a mangé. Au moment où elle va manger un peu, le peuple est super. A combien la ville est 2 A combien la ville est 21h Oye, biso yo yo, tu zere moi ma kasi to zol ki nye na ye. Ta ki yo na kore, kompo na ye mba ma kamba bi zye. Yoka, yoka zye, a kosi alo bi a kyo kata riba na po, a kuti po che, gouverneur nga tongi po, po e za 1m80.
juste pour faire un petit point, là, je crois que bientôt, on va bientôt terminer la zone aéroportuaire. Donc, moi, ça fait peut-être 7 ans, peut-être 10 ans que je suis arrivé dans cette ville. Mais je sais que la distance entre là où nous sommes et la place de la Poste, où j'ai déjà fait un concert il y a très longtemps, on est quoi? On est à 2 heures du temps, je ne sais pas si on accélère. Donc, à un moment donné, ça va s'estomper, parce que je ne crois pas que ces gens vont devoir marcher jusque là, parce que là, on est loin de la ville, en fait, en réalité. Et donc, on espère, je vais peut-être couper après un moment, comme ça, on va reprendre tout ça. De l'autre côté, en espérant que très vite, on va y arriver au lieu du meeting, c'est-à-dire la place de la Poste en ville. Donc, aéroport des Bangoka, je crois que c'est tout ça là pour les gens qui n'ont jamais vu. Vous avez à peu près une idée. Et on en train, en principe, je crois que je remonte la forêt. Azoki ma population, président Azoma la population na soli, aiko sala meeting la 20h, les alakate, 5 jours le ki, et comme ça et 10 jours, tolembi oye, la tatama. Bomoi, bazo sala biso ba lobi ke 5 jours, ba bati 5 jours, 5 jours, to za ba tout. Voilà, on est arrivé en pleine journée, comme ça, ça donnera pas. On n'est pas arrivé la nuit. On est arrivé en pleine journée. On est arrivé un lundi. Tout ça, c'est très symbolique. Hein. C'était fait un dessin. Les plus importants pour nous, c'était de vous faire vivre ça petit à petit, sans trucage. Le contact direct avec le peuple qui donne le pain, qui donne de l'eau. Cette proximité était importante de pouvoir vous la montrer. Donc voilà, là je crois que... Là,
imaginez comment ça va être en ville. Si on est dans un petit village toute la journée, imaginez tout à l'heure, peut-être à 15h, 16h, dépendant si on arrive à temps, imaginez ce que cela va donner. Donc, enfin. Ici, c'est des mamans, des papas, c'est tout le monde, c'est les enfants qui sont sortis. Je vous ai dit, il fait chaud quand même. Mais bon, c'est chez nous, c'est comme ça. Et on assume totalement. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, j'espère qu'à partir de là, peut-être que les gens vont devoir rester ici. Donc ça va tenir un autre meeting. Peut-être qu'il rentre un petit peu pour se ménager. On espère que... Voilà. Merci monsieur Bloqué, bah, ça me laisse peut-être une ou deux minutes de pouvoir parler. Comme je l'ai dit, franchement, il faut que je trouve le temps de. Dès que je rentre dans la voiture, là, je veux dire, dès que je rentre à l'intérieur, il faut trouver le temps de pouvoir échanger, s'échanger à temps. On vous fait vivre ça. On est totalement bloqué là. Bon, ça commence à accélérer un peu. Il y a beaucoup de gens devant, mais bon, les plus importants pour nous, c'était que vous ayez vu un petit peu ça. Bon, de toutes les façons, c'est tellement loin que je ne crois pas qu'ils vont tenir le rythme de l'accélération de véhicules.
les plus importants pour nous, c'était de vous avoir fait vivre un tout petit peu ça. Dès qu'on sort de là, c'est-à-dire dans probablement 10 minutes, je vais devoir couper. Comme ça, on va prendre rendez-vous un peu plus loin, parce que c'est loin d'ici à la place de la Poste. Comme je vous ai dit, au grand, je vais dire, franchement, on en est peut-être pour 2 heures, plutôt plus. 1h45 si ça accélère, et 1h si vraiment il n'y a personne sur notre route. Donc, alors le mieux serait que l'on reprenne rendez-vous tout à l'heure. Vous voyez, même le président est entré. Parce que, avec la chaleur, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, le véhicule qui est juste devant mon véhicule, c'est le président. Dans ce cas, Franck, pas la semaine.
ça mal ordonné, mal organisé. Effectivement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Enfin, arrivé à la place de la Poste, 1h30, 1h45, 2h. Dépendant en même temps, si les gens ne nous bloquent pas tout au long de la route, si on n'a pas des poches comme ça, peut-être que ça peut être 1h30. Donc, on va faire un effort, comme on a toujours fait, de tenter de conserver la batterie et surtout de nous mettre légèrement au frais, parce que sinon ça va être ça va être comme la dernière fois où il a fallu juste après aller faire un petit tour à l'hôpital parce que sinon c'était chaud. Mais sinon jusqu'à là ça va, donc on avance, voilà derrière moi c'est que ça donne. Et c'est ça, en fait c'est que je crains, c'est ce genre de poche, arriver quelque part dans un petit village comme ça. Voilà, c'est toujours la même scène. Vous rappelez de ce genre de scène, vous rappelez de Beni, vous rappelez de Butembo, vous rappelez de Kikwiti, Massimanimba, vous rappelez de Mwanda. C'est partout pareil en fait. Hein. Vous rappelez de Paris, vous rappelez des. En fait, je crois que quand les gens demandent c'est quoi la vérité des urnes, c'est ces peuples qui est la vérité. Ce sont ces gens qui sortent tous les jours, c'est ceux qui n'arrêtent pas de témoigner. Qui sont fidèles à leur voix, ceux qui ont donné des voix au président Martin, ceux qui l'ont voté, ceux qui disent que non, on va pas se laisser faire, c'est ça.
C'est un peu plus ça. Je suis un petit peu habitué de ça. Des mamans comme ça avec leurs enfants. Des jeunes, des vieux, tous les villages, tout le Congo. On ira à peu près partout, on ira à peu près même si. C'est bon, là on commence à rouler un peu. On doit un autre calage. Là, on va peut-être devoir trouver une lucarne, une lucarne pour pouvoir accélérer. Donc, le président est entré.